Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler manga. On va parler de ce manga qui s'appelle Box, sous-titré Qu'y a-t-il dans la boîte? C'est un manga en 3 tomes, ceci est le tome 1. C'est sorti au Lézard Noir, donc le Lézard Noir, vous les connaissez peut-être, ils ont l'habitude d'éditer des titres assez pointus, des choses vraiment assez particulières, toujours très intéressantes, mais vraiment sur des choses assez costauds à pas mettre entre toutes les mains. On est vraiment sur du manga vraiment adulte très souvent chez eux. Et souvent très intéressant et très pertinent pour découvrir la culture japonaise. Donc là, ça s'appelle Box, donc en 3 tomes, ça vaut 13 euros. C'est un format un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Et donc, on va suivre l'histoire d'un groupe comme ça de 7 à 8 personnes. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui va recevoir par hasard, et ces 7 personnes-là vont recevoir un casse-tête, et lui va recevoir une box mystère, comme ça, je vous montre. Ils vont tous recevoir un colis anonyme, un courrier anonyme, contenant juste un casse-tête à résoudre. Et donc lui va recevoir cette très belle boîte mystère. Alors c'est de la marqueterie comme ça, c'est super joli, c'est super beau. Et il va essayer de résoudre ce casse-tête. Il va aller au lycée, il va faire la rencontre de cette fameuse huitième personne, septième personne de ce groupe. Elle est un peu étrange, elle est perchée dans un arbre. Lui continue sa journée, il va au lycée, il résout son casse-tête. Et là, phénomène étrange, toutes les vitres d'une salle explosent. Et il voit quelque chose au loin qui l'attire, et il va se rendre comme ça vers cet endroit. Et ainsi de suite, vont dérouler deux, trois phénomènes étranges, puis va apparaître une boîte, un bâtiment en forme de cube, dans lequel ils vont être invités à rentrer, ce groupe de personnes, et accueillis par une jeune demoiselle qui ressemble un peu à une poupée de porcelaine, qui va être un peu leur guide et leur hôtesse pour rentrer dans cette boîte. Et à partir de là commence l'aventure de Box. Ça ressemble beaucoup. Alors c'est sorti, il me semble, avant le film Cube. Pour vous donner une idée, voilà, ça ressemble un petit peu à cet état d'esprit-là. Je vais vous montrer l'intérieur pour vous montrer le style graphique, parce qu'on est sur un style graphique qui est un petit peu old school entre guillemets. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Voilà, mais on a un trait qui ressemble un petit peu à de la ligne claire, un petit peu à un trait assez occidentalisé pour le coup. On a voilà cette forme classique dans le dessin, mais qui fonctionne très bien. Du coup, ça apporte une espèce de charme comme ça au récit qui est vraiment très agréable. Vous voyez, on est vraiment sur du dessin classique, un découpage assez classique. On n'a pas les découpages qu'on peut avoir dans certains mangas modernes qui sont très punchy. Apparemment, l'auteur, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a longtemps œuvré sur du récit d'horreur, qui est un maître du récit d'horreur classique, sur du récit court. Donc en 3 tomes, moi ça m'intéresse bien. Je vous montre les dessins. Je prends le temps un petit peu de vous montrer ça pour voir si ça peut vous correspondre, hein, parce que je sais que sur le manga, ben voilà, on a tous un œil aguerri ou pas sur certains types de dessins qui nous plaisent ou pas. Et donc tout au long de cette entrée dans cette boîte, ils vont devoir résoudre des énigmes au fil de l'eau, et des phénomènes étranges se passent, comme par exemple ce couple de personnes âgées, vous voyez, qui se trouvent à la fois coupées et liées en même temps. C'est assez étrange. Tout ça fait penser un petit peu à du Twin Peaks, à ce genre d'événements un petit peu fou comme ça. On a une espèce de folie douce qui règne, hein, vous voyez, la jeune hôtesse comme ça, cette espèce de poupée de porcelaine qui arrive. Il y a beaucoup d'humour qui est mélangé avec ce côté horreur, casse-tête, ce sentiment de panique qui peut habiter, mais en même temps, voilà, le sérieux japonais qu'on connaît. Pour le moment, je vous le dis sincèrement, ce tome 1, c'est un coup de cœur. J'espère vraiment que le tome 2 et 3 vont être à la hauteur, voilà, de ce que j'ai pu trouver et puiser dans ce premier tome. Moi, j'adore à titre personnel les histoires d'enfermement, hein, ce genre d'histoire où on doit voilà, chercher une issue, chercher une sortie, survivre. Voilà, c'est des histoires qui me parlent particulièrement. J'adore ces concepts-là. Seul léger bémol sur ce tome 1, la fin est hyper abrupte. Hein, la fin, elle arrive comme ça, boum, comme un cheveu sur la soupe. Ça m'a un peu laissé sur ma faim, et du coup, j'étais un peu déçu de ne pas avoir le 2 et le 3 de suite sous la main pour aller continuer ma lecture. Voilà, donc ça s'appelle Box, c'est au Lézard Noir, ça vaut 13 euros. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez ou si c'est le genre de titre qui peut vous intéresser. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire des pouces en l'air, vous abonner, la cloche, tous les machins de YouTubeurs. Voilà, je repars à zéro sur ma chaîne, donc tout coup de pouce est bienvenu et utile, et je vous en remercie d'avance. Mais surtout, faites bien ce que vous voulez, soyez libre et bonne lecture, et à très vite. Bisous les amis!